Allez, c'est parti pour un week-end. Où? Du côté de la Loire. Salut, nous c'est Karine et Greg. Soif de voyage, d'aventure? Suivez-nous à bord de notre camping-car nommé Vador. C'est parti, voici un nouvel épisode. Voilà, accueil camping-car chez Jean-Michel. Voici le terrain chez un particulier que j'ai trouvé donc sur Park4Night. Ça doit être des choses qui doivent fonctionner qu'en haute saison. Hein. Voilà, vous voyez, Vador est là-bas. On fait un petit zoom sur papa ou pas? Il est où? Il est là. 1, 2, 3, on est le troisième. Oui, salut. Bon, c'est propre, c'est calme, c'est boisé, c'est impeccable. Le mec est super sympa. Pourquoi pas, hein? Il faut tout essayer. En étant camping-cariste, il faut tout essayer. Ça doit être sympa quand même aussi, hein, quand c'est ouvert le soir, s'il fait des accueils comme ça. En tout cas, nous, je pense qu'on va aller au restaurant ce soir qui est là-bas. Parce que apparemment, donc il y a resto et il y a musique et il y a musique. Bon, en attendant, moi je retourne au camping-car. Pourquoi? Parce que là, c'est l'heure de l'apéro et c'est l'heure de manger. On est bien là. Nestor est en train de bronzer avec le cul à l'air. Maman, elle a son sprint. Voilà. Et puis le kadak. Alors nous, on a un kadak, hein, vous voyez, mais on a un kadak sur un pied haut. On a un gros kadak. Parce que pourquoi on a un gros kadak? C'est pas par prétention, mais c'est parce qu'on est toujours à plusieurs. Et que c'est toujours nous qui faisons... Ah, papa sort le drone. D'accord. Papa sort le drone. Elle est loin, l'eau. J'ai été voir de là-bas derrière. Ouais. J'ai pas vu d'eau. Hein. J'ai vu un fossé, mais. T'enregistres? Ah, Nestor, elle n'aime pas le drone. T'enregistres? Oui. Ok. Bon, allez, moi je bois un coup.
voici le centre. Très sympathique. On va aller visiter le château. Il y a du monde, il y a du monde. C'est normal, hein, c'est le week-end. Le week-end prolongé. Et on est tous ensemble. C'est pour reconstituer, donc là on est au château, on vient de prendre nos places, et c'est pour reconstituer donc dans les pièces justement, voir comment c'était. Voilà. Ok. Hein. C'est parti, deuxième jour de week-end prolongé et on va au Zotboval. On va voir où les camping-cars peuvent se garer. C'est parti. On arrive au parking de le Zotboval. Voilà. Donc c'est un parking qui est gratuit. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des voitures qui sont sur les emplacements de camping-cars. Comme d'habitude, là. Là ou derrière, là, peut-être mieux. Ouais. Parce que de toute façon, on va peut-être pouvoir rester pour la nuit, quoi. Comme ça. Ouais, si tu veux. Voilà, madame. Voilà, monsieur. Bon, le parking, voilà, parking, on s'arrache, hop, on se gare un peu comme on veut, mais il y a de la place pour pouvoir se garer, il n'y a pas de souci. Et puis encore un peu plus de place, un petit peu plus en bas, je crois. Donc, vous voyez, il y en a encore là-bas, donc il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Gratuit pour pouvoir se garer et vous pouvez même y dormir, il n'y a aucun souci pour dormir. Les gens le font et viennent le soir et puis ils repartent le lendemain. Ils font le parc et puis s'en vont. Et puis Nestor, il pleure, il a besoin de sa maman. C'est parti. On a pris Nestor. On va tenter. On va tenter de rentrer à l'intérieur du parc zoo avec lui. Apparemment, on peut. Vous serez également sensibilisé à toutes les actions de conservation et de recherche sur les espèces menacées déployées par notre association Bonne Nature. N'hésitez pas à faire une halte à la maison.
notre périple de notre week-end au zoo de Beauval. Je suis dans la serre. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour ce week-end jusqu'à des nouvelles aventures. Il fait une chaleur de dingue, humide dans cette serre où vous retrouvez plein de bébêtes, des alligators. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, likez les likes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.